13h sur Mbour FM TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le sommaire, l'avenir des jeunes après la COVID. La Fondation Konrad Adenauer vient de lancer le nouveau numéro de la 38e édition de la bande dessinée éducative Afrique. Objectif, sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'immigration clandestine. Le grand déglou en porte-à-faux avec les leaders politiques du département de Mbour. Les jeunes ont fait face à la presse pour dénoncer la confiscation de leurs ambitions et la politisation de l'emploi dans la petite côte. Dans ce journal, vous les entendrez. Et puis santé, Ramadan. Est-ce que tous les musulmans sont obligés de jeûner? Réponse avec l'infirmier chef de poste de Tahoum, René Ndiaye. Il sera l'invité de ce 15h. Et puis l'actualité internationale nous mènera au Tchad, comme hier et avant-hier, avec le décès d'Idriss Déby Itno et le pays qui est dans un tourbillon. Nous parlerons également de sport. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous écoutez 96.5 Mbour FM. Merci de choisir la radio Mbour FM pour vous informer. Je vous le disais en titre, la Fondation Konrad Adenauer a lancé un nouveau numéro sur concernant la bande dessinée éducative Afrique. C'est pour sensibiliser les jeunes dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Le lancement a eu lieu à Dakar sous les yeux de notre reporter Aaron Nguyen. Il faut signaler que ce numéro s'intitule « L'avenir des jeunes après la COVID ». Cette édition vise à sensibiliser, je le rappelle, les jeunes sur les dangers de l'immigration clandestine, tout en leur montrant le bien fondé d'un avenir au Sénégal. Ainsi, la bande dessinée lance un appel aux jeunes, restons au Sénégal pour réussir. Nous écoutons à ce propos Momadou Dien, il est le président de l'association. Voilà, donc ce document, c'est le 38e numéro du journal du magazine Afrique Citoyenne, dont intitulé « L'avenir des jeunes après Covid-19, je suis jeune, non à l'immigration clandestine ». Donc, ce thème. Voilà, parce que nous avons constaté que les jeunes brattent la mer, les jeunes partent et ils sont face à plusieurs dangers et ils pensent qu'ils vont trouver l'Eldorado en Europe, alors que ce n'est pas le cas. L'espoir est permis aussi parce qu'il y a des opportunités au Sénégal. Il est vrai que c'est difficile. Nous avons vu récemment, il y a eu des émeutes parce que c'est la population, les jeunes en particulier, qui se sont soulevés et qui en ont eu un peu marre quelque part. Donc là, j'interpelle le gouvernement, l'État du Sénégal, à accompagner par rapport à alléger d'abord les mécanismes de financement, que ce soit au ministère des microfinances avec son programme Place et Prix, dont l'étape, la deuxième phase consiste à financer les jeunes entrepreneurs, mais qui sont formels quand même, mais aussi que l'ADER et d'autres structures de financement essaient d'accompagner et d'alléger les documents pour permettre à la jeunesse de bénéficier de ces financements. Et aussi que l'État soit beaucoup plus conscient et prenne en charge ceux qui sont dans le secteur informel. Parce que ceux-là sont la majorité. La majorité des jeunes n'ont pas d'entreprise. Certes, il faut les aider à se formaliser. Voilà, vous venez d'entendre Momadou Dien, le président de l'association qui, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, a lancé la bande dessinée de la 38e édition qui s'intitule « Avenir des jeunes après la COVID ». A signalé que cette bande dessinée devra contribuer efficacement à informer les jeunes sur cette thématique et à les mobiliser à devenir des acteurs du développement créatif et constructif dans les écoles, universités
et associations, bref, dans la vie politique. Afrique Citoyenne, je le rappelle, est tirée à 20 000 exemplaires. Elle est envoyée à toutes les institutions de formation moyenne et secondaire, ainsi qu'aux organisations et mouvements de jeunesse. Toujours d'ailleurs dans le cadre de cette cérémonie de lancement, Yahya Dieng, le secrétaire général, appelait également aux jeunes à faire confiance à leur pays, mais également à rester au Sénégal pour réussir. Il est toujours au micro d'Aaron Nyon. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés au niveau de la Fondation Konrad Adenauer pour présenter le 38e numéro d'Afrique citoyenne qui porte sur l'avenir des jeunes après le Covid. Je reste ici pour réussir. Donc, cette revue académique participe même à la conscientisation de la jeunesse sénégalaise et de l'Afrique en général sur même le phénomène d'immigration irrégulière ou bien d'immigration clandestine, comme on le dénomme au Sénégal Barça ou le Barsakh, qui existe depuis 2006, ce terme-là, qui touche même la majeure partie de la population, surtout de la jeunesse, qui est la force motrice même d'un pays en tant que tel. Et cette jeunesse qui s'adonne à cette immigration constitue un manque à gagner même pour un pays en tant que tel, dans la force, dans le travail même, des différents secteurs, que ce soit l'agriculture, le secteur informel, le tourisme, etc. Donc aujourd'hui, cette revue, ce 38e numéro, est largement revenu même sur ce phénomène d'immigration clandestine, avec ses conséquences, surtout sur la loi qui incrime maintenant ce phénomène d'immigration clandestine. Au-delà de ça aussi, nous vivons ce que nous connaissons tous aujourd'hui avec la pandémie du Covid-19, qui n'épargne aucun pays du monde et qui a montré même les faiblesses des économies du monde. C'est en ce sens que l'État du Sénégal a pu lancer ce qu'on a mis en place, un plan de relance post-Covid qui permettrait à 5 secteurs prioritaires d'être autonomes et de participer même à l'essor économique de notre pays, à savoir l'agriculture, la santé, le secteur informel, l'industrialisation, surtout avec l'utilisation du numérique aujourd'hui. Parce que même en ce qui concerne l'enseignement supérieur, ils ont adopté un système bimodal d'enseignement, c'est-à-dire partiellement sous forme présentielle et l'autre à distance. 96.5 Bourg FM, votre radio locale et régionale. 15h09, vous suivez l'actualité de la mi-journée sur Bourg FM TV. Un clin d'œil à ceux qui nous suivent du côté de Soro Khassap et à Fadial. Nous parlons à présent de l'emploi des jeunes à Mbour après les mouvements Mbour Justice et Yokote Sali avec Saro Tchandoum. D'autres jeunes se sont démarqués de la politisation de l'affaire. Il s'agit des initiateurs du Grand Déglou. Ils ont tenu hier un point de presse pour vilipender les politiciens de Mbour. Seg Diankha, leur porte-parole, est au micro d'Alunba de Dakar Actu. Je pense que c'est tout à fait légitime que nous nous déplacions et que nous tenons ce point de presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur ce qui s'est passé au niveau de la commune ou bien même au niveau du département de Mbour et qui a été initié par des politiciens verts. Donc je m'en vais vous lire la déclaration du collectif des enquêteurs du département de Mbour. Le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, qui est initié par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour un montant de 350 milliards sur les 3 années, c'est-à-dire 2021, 2022 et 2023, pour accompagner cette forte ambition du chef de l'État de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi des jeunes, les élus locaux, les partis politiques, les mouvements citoyens, les membres de la société civile et tous les acteurs du territoire du département de Mbour ont pris l'initiative d'apporter leur contribution par la production d'un document de référence qui va servir d'outil à l'aide et d'aide au président Macky Sall afin qu'il puisse savoir réellement ce que la jeunesse veut. Et cette initiative-là a été intitulée Le Grand Déglou, qui a été pilotée par un certain M. Aziz François Ndiaye et au niveau de chacune des 16 communes que compose le département de Mbour. Au niveau de ce Grand Déglou, il a été question d'interpeller les jeunes partout où ils sont, au niveau de ce territoire, pour leur poser des questions relatives à l'emploi des jeunes. Quels sont réellement leurs problèmes? Quelles sont réellement leurs ambitions? Et quelle est la perception qu'ils ont de ce projet-là que le président de la République va mettre en place? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a à de maintes reprises, à chaque fois, la jeunesse peine toujours à avoir réellement des emplois. Et c'est en ce sens-là que le président a été interpellé. Et c'est ce qui a été l'argument qui a le plus déclenché la chose,
c'était lors de son message à la nation à l'issue des émeutes qui ont eu à secouer notre pays. Son message a été très clair. Il a dit qu'il a compris la jeunesse et qu'il sait que le problème principal, c'était l'emploi. Donc, je ne pense pas que si le président de la République décaisse 350 milliards uniquement pour la jeunesse et que des gens issus peut-être des 16 communes du département de Mbour prennent l'initiative d'aller l'accompagner dans cette démarche-là, qu'ils puissent avoir un groupuscule de personnes dirigées par ce politicien véreux-là qu'on va appeler et qui occupe actuellement le poste de président de commission, président du conseil départemental de Mbour, en l'occurrence Salim Sam, pour pouvoir en faire un instrument politique. Notre micro est ouvert à Salim Sam pour qu'il vienne répondre à ces jeunes. Je rappelle que c'est le collectif des enquêteurs du département de Mbour qui ont tenu un point de presse pour dénoncer la politisation de l'emploi dans le département de Mbour. Nous parlons de santé à présent avec le jeûne, troisième pilier de l'islam. Tout musulman doit obligatoirement jeûner pendant ce mois béni, exception faite aux malades. René Ndiaye, infirmier chef de poste de Tahoum, est interrogé par Mohamed Roujamil. Tout le monde peut gêner, mais à condition que vraiment qu'on ait la santé. Donc si on parle de santé, c'est surtout les gens qui ont une pathologie quelconque. Donc il y a des maladies qui sont là chroniques. Donc comme tu viens de le dire aussi, ceux qui ont le diabète, donc la tension, et même donc le cancer ou bien donc des ulcères. Voilà, donc ces maladies-là, donc vraiment, vraiment, sont appelées donc à être suivies, donc par leurs médecins respectifs. Donc c'est eux-mêmes, disons, ces médecins-là traitants qui vont en décider de ces malades-là, s'ils peuvent donc gêner ou pas. Mais si ces derniers-là peuvent gêner aussi, ces derniers donc doivent être vraiment suivis de près par ces médecins traitants-là. Sinon, vraiment, vraiment, ils peuvent avoir donc des répercussions ou bien des conséquences, si j'ose le dire. Ce qu'on doit manger surtout, hein, donc le régime qui est vraiment probant pour tout un chacun de nous, c'est de manger vraiment moins huileux, moins sucré et moins salé. Autrement dit, c'est surtout pour ces malades qui ont de ces pathologies chroniques, à savoir le diabétique. Donc, l'hypertendu. Donc, c'est surtout ces malades-là donc doivent manger surtout moins huile, moins sucré et moins salé. Voilà. Mais pour aussi d'autres qui n'ont pas ces pathologies aussi, moi, je recommande à ces derniers-là de manger aussi moins huile, moins sucré et moins salé. Parce que présentement, donc, dans ce pays-là, ce sont ces maladies chroniques donc, qui sont sujettes vraiment de ces morts subites également. Donc, il faut vraiment, vraiment suivre ce régime pour au moins gagner pas mal de choses donc à l'encontre de ces conséquences qui peuvent découler donc de ces maladies chroniques. René Ndiaye, infirmier chef de poste de Tahoum, que nous retrouverons d'ailleurs en fin d'édition, car il sera à l'invité de ce journal. Manger moins gras, moins sucré, moins salé, mais également après avoir pris votre bon de goût, marcher un peu au bout de 30 minutes. Cela vous permettra de digérer et d'éviter toute complication la nuit, car les gens déjeunent ou plutôt dînent tard pendant ce mois béni de Ramadan. Nous y sommes, nous y restons. Nous parlons à présent de la COVID-19 avec ce communiqué 417 du 22 avril 2021. 1392 tests ont été réalisés, 65 sont revenus positifs. On compte parmi ces positifs 30 cas contacts et 35 cas qui sont issus de la transmission communautaire. 51 personnes se sont déclarées guéries, 9 cas graves sont comptabilisés et sont en réanimation et on compte un nouveau décès. Puis depuis l'apparition de la COVID-19 au Sénégal, 39 975 cas ont été déclarés positifs, dont 38 719 guéris, 1097 décès ont été enregistrés dans le pays de la Teranga et 158 personnes sont sous traitement, soit chez eux ou dans les structures de santé. Et puis depuis le démarrage de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 392 000 personnes, 439 ont été vaccinées. N'oubliez pas de garder vos carnets de vaccination
vaccination et de retourner vous refaire vacciner au bout de 3 mois après la première dose. Cela vous permettra d'être immunisé contre la COVID-19 et au niveau de Mbour, si vous voulez vous faire vacciner, allez au centre de santé de Tefes et demandez après Madame Diouf Mado vous inscrire avec votre pièce d'identité et laissez votre numéro de téléphone. Quand les doses seront disponibles, vous serez appelé à vous faire vacciner. C'est dans un instant que nous allons accueillir Mohamed Dour Djamil pour l'actualité internationale. Mohamed Dour Djamil, bonjour. Bonjour Isidore. Direction le Tchad, un seul titre. Idriss Déby Itno mort laisse un pays dans un tourbillon total. Encore peu connu du grand public, nous parlons des rebelles cette fois-ci. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, vient de faire une entrée fracassante dans l'actualité africaine. En pleine élection présidentielle tchadienne, le groupe rebelle a lancé une offensive aussi massive que soudaine et a provoqué la mort du président Idriss Déby sur le champ de bataille après 30 années passées au pouvoir. Le FACT appartient à la galaxie de groupe de l'opposition armée tchadienne, réfugié dans le sud de la Libye, né en 2016 d'une scission avec l'Union des forces pour la démocratie et le développement UFDD, une coalition de groupes rebelles fondée par l'ancien ministre de la Défense tchadien, le général Mahamad Nouri. Le FACT sera lui-même ébranlé quelques mois plus tard par un nouveau schisme. Le FACT est dirigé par l'opposant et chef de guerre tchadien Mahamad Mahadi Ali, réfugié politique pendant plus de 25 ans en France. Ce dernier a milité au sein du Parti Socialiste Français et suivi des études de droit et sciences économiques à Reims. Les rebelles ont en effet rejeté catégoriquement le conseil militaire de transition mené par le fils de Idriss Déby, Mahamad Déby, qui a consolidé sa position mercredi avec la publication d'une charte censée remplacer la constitution du pays et lui conférant les fonctions de président et de commandant en chef des armées. Le FACT, constitué de 1500 hommes, a-t-il les moyens de menacer N'Djamena Issayor? Merci beaucoup Mohamed Dour Djamil. Avant d'en venir à l'actualité sportive, sachez que le président Macky Sall a procédé aujourd'hui à l'ouverture du conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes qui se tient au centre international de conférence Abdou Diouf de Djamnadio. Vous l'entendrez dans notre édition de demain avec le discours qu'il a fait à la cérémonie d'ouverture avec la collaboration de Hassan John. 15h19, tout de suite le sport. Nous démarrons l'actualité sportive par la 5e journée de la Coupe CAF. Le Djaraf de Dakar a réussi à se qualifier au quart de finale de la Coupe CAF après avoir battu hier au stade Ladjor l'Étoile du Sahel par 1-0. Une qualification historique car les Médinois viennent de mettre fin à 17 ans de traversée du désert des clubs sénégalais en compétition africaine. Et puis seul la Jeanne d'Arc de Dakar avait réussi cette prouesse en Ligue des champions africaines en 2004, et depuis lors, aucune autre équipe sénégalaise n'avait pu franchir cette étape. Et puis en conférence de presse d'après match, le coach mbourois du Djaraf, Cheikh Gueye, s'est réjoui de cette victoire. Il pense d'ailleurs que cette réussite est due au respect des consignes par ses joueurs, mais il reste toutefois très humble et compte se concentrer sur son travail afin de préparer les matchs qui se profilent à l'horizon. Et nous souhaitons bon vent à cette équipe dirigée par un bourrois. Tout en football, l'Olympique de Marseille ambitionne de recruter le jeune Mikhaïl Faye de Djambar. Selon France Football, l'OM pourrait accueillir dès la saison prochaine ce jeune défenseur très prometteur de Djambar. Mikhaïl est âgé de 16 ans. Seulement, il a déjà pris part à la CAN et à la Coupe du Monde U17 avec les Lionceaux de la Teranga. C'est tout pour la page sportive de ce journal. Dans un instant, nous allons accueillir l'invité de la rédaction. Et il s'agit de René Ndiaye, infirmier chef de poste de Tahoum. Il s'entretient avec Mohamed Dour Djamil. Donc bon, à l'heure de la rupture, parce que comme on est en carême, si j'ose le dire ainsi, donc à l'heure donc, de la rupture, il faut manger donc, moins huile.
Mais si tu es vraiment un Dioben ou bien un Saren, vouloir donc vraiment suivre vraiment ta gourmandise là, bon, ça peut vraiment avoir donc des conséquences néfastes, je dirais. Néfastes. Donc c'est sûr et certain. Donc si on suit ce régime là, donc manger peu huilé, peu sucré et peu salé, donc vraiment on peut gagner. On peut gagner avec ce... Bah bon, parce que aujourd'hui, à la coupure, donc si madame te présente ses mains, moi je dis très bien qu'il y aura des jus, donc en avant-goût, si j'ose le dire. Donc du jus de citron, bon, pas mal de jus qui pourrait au moins se présenter à monsieur, donc pour qu'au moins, à l'entame donc, de la rupture, il puisse vraiment gagner d'abord. Mais tous ces jus-là, et boissons, quelque chose comme ça, donc vraiment, vraiment, si toutes les fois que tu ramasses tous ces jus-là et les mets dans ton ventre, bon, ça peut vraiment, vraiment te coûter cher. Voilà. Donc, le naturel. Voilà. Voilà. Donc, manger naturel. Manger naturel. Ça, vraiment, c'est très important aussi. Manger naturel. Et préparer des repas, donc, qui étaient là hier et avant-hier. Donc, qui n'ont pas beaucoup de sucre, ou bien beaucoup d'épices, donc beaucoup d'huile. Parce que nos femmes d'aujourd'hui, bon, si j'ose le dire, sont trop épicées. Donc, ils cuisinent trop épicées. Parce que dans un seul repas que 5 personnes donc, peuvent au moins partager, tu mets pas mal de sel donc, et des bouillons comme ça. Donc vraiment, vraiment, si c'est trop, c'est pas bon. Voilà. Donc manger limité pour tout ce qu'on va te présenter à la rupture, franchement. Là, c'est la seule recommandation que je pouvais dire. Donc, à nos parents musulmans. Voilà. Et surtout au Ndioben et au Saren. Donc, bon, en tout cas, Ramadan rime avec, comment le dirais-je, rime avec la santé. Hein? Ah. Le Ramadan rime avec la santé. Mais là où peut-être le Ramadan peut donc engendrer quelque chose de néfaste chez l'individu, c'est toutes les fois, comme je l'ai dit tantôt, si tu es malade et tu n'es pas vraiment bien suivi. Sinon, toi-même, tu négliges ta maladie. Parce que je suis diabétique, je connais que j'ai le diabète. Donc, une fois à la rupture, je prends ce sucre-là. Voilà. Je le prends à gogo. Donc là, attendez-vous à une hyperglycémie qui peut être high. Voilà. Parce que là, avec le diabète, c'est surtout ça, c'est un problème de métabolisme. Voilà, c'est un trouble de métabolisme. Donc, et ce trouble de métabolisme associe hyperglycémie et glucosurie. Donc, il faut vraiment, vraiment, toujours donc, avoir cette conscience-là que moi, si le taux de sucre augmente de cette manière-là, donc ça peut amener des complications. Donc, manger donc, moins sucré. Et si j'ai l'attention aussi, si je mange trop huileux, donc trop salé, donc ça peut augmenter ma tension. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que, en résumé, donc pour ne pas être vraiment trop large, donc il faut qu'on mange moins sucré, moins salé et moins huileux. Voilà, en résumé. Pourquoi pas? Parce que l'espoir, ça maintient. Que tu aies 60 ans, que tu aies 70 ans, donc vraiment, vraiment, avec l'espoir, tu peux gagner vraiment la santé. Parce que le diabétique, on le recommande de faire un peu d'espoir. L'hypertendu également. Mais bon, pas trop forcé. Pas trop forcé. Il faut aller donc, doucement. Donc, pour au moins que ça ne puisse pas dégénérer. Donc, c'est l'essentiel. Donc, espoir et, comment le dirais-je, et jeûne. Donc, ça va de pair. Donc, tu peux jeûner, faire l'espoir, mais à la limite. Sinon, donc, tu peux amener des choses vraiment sur toi qui pourraient vraiment te faire mal. C'est l'essentiel, c'est ce que je veux dire. Quoi. Voilà, vous venez d'entendre René Ndiaye, infirmier chef de poste de Tahoum, qui était de passage à Mbour FM TV pour nous parler de santé Ramadan. Et certainement, vous avez compris, manger moins gras, moins sucré, moins salé et pratiquer la marche comme sport. Cela vous permettra d'éviter les morts subites et les AVC. 15h26, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous fais l'économie du rappel des titres. Merci à Mohamed Ndour Djamil pour la réalisation. Didier Paco était aux opérations techniques. Restez avec nous. Dans un instant, sera le journal en Wolof.
batek ñaar fukk simili ak juroom ñaar mbokk yi assalamu alaykum bismillah ci xibaar yi su leen nuyo ba nopi ci gëna fess bokku na ëlëgu ndaw yi gannaaw mbass mi loolu nak kon fondation Conrad Adenauer ñeu genn ben numéro bande dessinée la ci fanwer ak juroom ñettel édition bi ñom ci seen wal bop nak liñu bëgg moy ñaar askan wi rawati na ndaw yi ngir ñu moytu mbëkk mi barsa ak barsaq dañu leen ci dégg ci biir xibaar yi daanwa duy tam ci kurel gi nga xamne dafa ëmb enquêteur yi nek ci département de Mbour ci walu ndaw yi ñom nak ci seen wal bop lu ñuy ñaawlu moy politique bi nga xamne mom luñu bëgg la xass ci ligéyum ndaw yi naka dem nak ñu ngi doon jakkarlo ak taskatu xibaar yi ngir woné sen ap nakar ak sen ak ñak and ci mbir mi daan wa duy tam ci koor wor ak li nga xamne moy ak wërgu yaram est-ce que ñepp ñi nga xamne ñoy ay julit war nañu wor lool nak laaj la ak tontu bo xamne sekk nañ ko ak infirmier chef de poste bu taxuma di René Ndiaye de suñu xarit mom ci wal bopam sax mo fasiyene nek suñu gan daan wa duy tam ci bitim rew dem rek ciad taxaw fa xol la fa xew xibaaru tagat yaram assalamu alaykum yene ci Mbour FM 96.5 ñu sant leen nga xam leen ci addu bi ñu addu ngeen di tewlu dañ kay doora ak li nga xamne mom lañuy duppé barsa wala barsaq wala mbëkk mi ñu japp ne nak amna ay ndaw yo xamanteni dañu dajalo ngir xex ko ñom nak dañ ko jaarale ci manam bande dessinée manam bu ngeen ko fateliko moy journal yo nga xamne dañ ci wone ay xalé ak ay image yo xamanteni ay mag sax ngir wone jallale ay message muy lu am solo ñom nak message bi ñu bëgg jaar le moy ndaw yi meun nañu tok fi tekki te du jaar ñuy dem ci mbëkk mi lool nak ki nga xamanti mom moy Mamadou Dien jité courier nga xamne moko soké and ci ak fondation Conrad Adenauer moko xamlé ñu tewlu ay cadeau ci micro Arona ñom ñu am nak numéro buñ def ci suñu magazine bi nga xam ñu ngi liggéey ak fondation Conrad Adenauer mi nga xamni suñu partenaire dañu leen di gëreum ci numéro bi numéro 38 bi ñi ngi wax ci immigration clandestine di wax ci avenir ndaw yi après covid-19 di wax ci immigration clandestine non à l'immigration clandestine pour quand ndaw yi dess gëm seen dëkk liggéey fi waye tam ñi wo état bi nan tamit nañ leen gëna gungé yombalal leen li nga xamni moy financement yi mu jëm ci ministère microfinance sen projet bi tuddu place et prix programme d'activité bi nga xamni pour gungé jeune entrepreneur yi la muy li nga xamni moy der muy yenen structure financement yi nga xamni ñoo fi nek ay NPJ ak yoy yep muy fonds bi nga xamni c'est un fonds de garantie ñu xol naka nañu yombalale ndaw yi mbir mi té tam ñu conscient ñom état bi ñu bayyi xel ni lu upp ci ndaw yi nekkuñu ay dans le, ils sont pas formels manam dañu informel donc ñu nek ay ndaw yo xamni pour financer len il faut que dal affaire bi xawa social il faut ñu xol nan nenen nañ ko mëna bindé ba nga xamni dina yambam bay dal waaw nan lañ ko mëna bindé ba nga xamni dina yambam bay xeyna njitt rew mi tay ji nek fa li nga xamni moy centre international de conférence bu Abdou Diouf dana ci mëna addu ndax ñu nga fay amal dajum am solo muy conseil présidentiel bo xamne ni dafa dajale jeewriñ yépp waye tam ñepp ñi nga xamne dañuy ngeetu ci walum liggéey ak walu ndaw yi su ko fe ñu xol naka lañuy mëna waxtane dal ba lool nga xamne jinjol nako mu deggal ko muy ñetti témèr ak juroom fukki milliards yo xamne dañu ko génné jappalé ko ndaw yi muy lu am solo di leen ci delu ci sax inshallah suba ci suñu xibaar ndax di ngeen dégg kaddu yi nga xamne njitt réew mi yëkëti nako ci centre de conférence bobalé daan waddu tam dañuy dess ba légui rek ci nga xamne moy numéro bo nga xamne Conrad Adenauer génné nañ ko ci ñiapandal lu kurel gi nga xamne mom lañ wax azekot nenañ nak bëgg nañ dal li nga xamne ni mom moy numéro bi dina mëna ñaax ndaw yi bañu mëna tok seen dëkk réussir té japp nañ né sax lool mën na né ndax amna ci ño xamantene ni ñi ngi fi ci Sénégal ma suñu tukki tam fen té tek nañ ma sha Allah am seen teranga am seen xéewal donc ñoñu buñu xolé ci ñom amana dinañ mëna tok ñu jappé nak Afrique citoyenne ñom dañuy tirel tol ci ñaar fukki jooni exemplaire diko yone ñi nga xam ci ñom ñoy tagat waye tam sax yenn kureel yi su ko défé ñu gëna mëna jappalé ndaw yi ci seen walu liggéey lool nak dañ ci dëglu Yahya Dieng mi nga xamné moy secrétaire général Azekot tay nak dañ fi dajé won fi nga xamné moy ci fondation Conrad Adenauer di présenter li nga xamné moy 38e numéro Afrique citoyenne bi nga xamné day wax ci li nga xamné tay moy ëllëgu ndaw ñi
su fièvre bi nga xamné mo lembé aduna bi yépp amé muy ñi nga xamné tay ñoy xalé yi ñu baña jël li nga xamné moy galé di dem Europe nan dañuy wuti té mëna tok seen réew pour man fé jëriñu tay dan na sétlo né jamono ji ñu tollu li nga xamné dan nan ko Barça wala Barça ndaw yi Sénégal yi dun ko dund dafa bëri ñum ray ci gëj gi té lool nak don na lo xamné yag na fi dafa doono la xamne tay nit ñi japp nañ ne ñom ku demut Europe rek waro mëna tek ñu gis ne nak nit ñi mën nañu tok fi teki fi surtout Barça ak Barça bi nga xamne tay yoon da ci tek ay daan tay ñi nga xamne dañ koy def ak ñeleenu yobbu ñeb yoon dafa tek ay daan ki amande ci ñom mu doon lo xamne gis nañ ne ak surtout fever bi nga xamne ñew na lembe aduna bi nguur ak Sénégal amna lo xamne mettre nako en place tek nako ci table ji pour dimbalé tay ñi nga xamne ñoy acteur yi ñi xamne dañuy yëngatu ci walu mbay ñi nga xamne dañuy yëngatu ci walu jaay ñi tuddé les secteurs informels ñi nga xamne dañuy yëngatu ci walu internet ak numérique bi ñi nga xamne dañuy yëngatu ci santé ak ñi nga xamne dañuy yëngatu ci industrie manam li nga xamne doon koy bay di transformer produit tay ba man ko jariño ci tay loolu lepp dafa doon lo xamne ay programme yu état bi mettre en place té ñun nit ñukoy rappeler fi nga xamne nit ñi war nañ ko mëna jariño pour tok jëma liggéey dëkk bi ndax kat tay suñu démé nguur gi day ñak li nga xamne moy ay ndawam di ñak ñi nga xamne moy dolem ñi wara liggéey réew mi motax tay ñi ngi jëme expliquer ci document bobu ñi nga xamne tay ñoy élève yek ñi nga xamne ñoy inspecteur ak ñi nga xamne sax ñoy ñuy jité tay importance bi nga xamne tay plan de relance bi amna ko tay li nguur gi tek pour soxali wat réew mi mi ngi fi amna solo ti nit ñi war nañ sé mëna jëriñu té nam xamne ñun ñoko mom té li ñun dong la fi nekkal Yahya Dieng di secrétaire général Azekot don addu ci micro sunu natango Arona Nyang ñukay sante diko gëram dañuy dess ak ndaw yoyu sax wax ni ñi mom ñu ngi doon jëm di genn ay numéro ngir ñaax askan wi waye ndaw yi ngir ñu tok fi ci seen rew ngir mëna tekki ndax loolu mëna né ñi nak ñom dañoy ko seen cadre du ñaawlu politique bi nga xamne dañ ko bëgg lal ci mbirum tekki gogulé ndax bu njitu rew mi waxé né dafa bëgg ñu def ay gëstu xol ndaw yi lan lañ soxla luñu yitté wo fan lañ bëgg ñu dimbalé leen ak ñi yan fan ak ci yan anam amna nak ño xamne japp nañu dal ñom dañ ci bëgg laxas politique bokku na ci nak département de Mbour taxna nak kurel gi nga xamne dafa ëmb ñi nga xamne ñoo doon def enquête yoyule demul ñu jakkalo ak taskatu xibaar yi Aline Bah Dakar ak Timo Jël seen kaddu ñu teglu ki nga xamne moy Issa Faye son excellence le président de la république Macky Sall bi mu amé initiative né dafa fassiyene jappalé ndaw yi ak discours yi mo tenir à travers wala bok ci bir dekk bi woné na né décision bi bu jël ni paré na pour jappalé ndaw yi lo nak li ka waral fan yé passé je pense très bien que entre le 3 et le 8 mars Sénégal traversé na moment yo xamné vraiment nekul moment yi nga xamné tamit namon nañ ko mais li ka waral xam nañ ko parce que Macky Sall dans ses discours daf ñoo wax clairement né da fay yag di joxe pour jappalé ndaw yi mais malheureusement il y avait des ce qu'on appelle détournement d'objectif té lika wone je pense très bien que bala may paré sama discours ñu bëri dañuy comprendre né Macky Sall da fay yag di jappalé ndaw yi mais lolu jotuñ ko won created with free version for non commercial use mom bi mu jëlé décision après problème yi amone dans le pays problème yo xamné ndaysan ñepp amna ño xamné sa ñakani ci seen bakken ñu leen di ñaanal yalla na yalla xari aljana ñun ñi fi nek en tant que jeune tamit ñu leen di ñaanal xamné tamit ñom li tax ñom ñak seen bakken c'est parce que dañu nekkon ci ben combat bo xamné uniquement c'était pour l'avenir de sa jeunesse légui mom mu jël décision comme quoi que il a constaté que les jeunes contentent légi ci la prévoir un financement de 350 milliards pour une durée de 3 ans première année 2021 150 milliards lañ wara financer 2022 100 milliards 2023 100 milliards mu don 350 milliards kon donc lo don na lo xamné mébét la mébét bo xamné jeune ji da xaba xaba mom tamit il a prévu dans ses discours wala bok ma wax ci touru le maire Serigne Gueye Diop de Sandiara biñ démé mbour kérok bu yagul rek il nous a dit que président bi prévoir na recruter 65 000 emplois directs légui nak franchement genre xéwal yu mel non jeune du ko gis diko fowé té ñun dañoo yag son ci outum hey
yéen ngi ci Mbour FM 96.5 ñetti waxtu jot ba tek fanwer simlak juroom ben ñu fat leen yéen ngi wéddi deglu xibaaru digge beccëk bi fi ci Mbour FM TV 96.5 dañuy addu ci wéggu yaram wax ci li nga xamne dafa soxal woor ak wérgu yaram amna nak nenañu julit yi ñepp dañu wara woor bu wéru koor joté ndax moy ñettel bi pilier islam waye nak ndax ñepp war nañu woor ñu wër ak ñu wërul lool nak laaj la ak tontu bo xamne sekk nañ ko ak René Ndiaye fami chef de poste bu taxom ñu deglu ko ci micro Mohamed Ndour Jamel kep ki nga xamé né yegg nga ci sa yaram né vraiment wër nga koku je pense bien que war nga mëna on mala war nga mëna on kep kuy or dal moy ki nga xamé né vraiment am nga wër gu yaram voilà donc koku mom man je me dis très bien que war nga mëna on voilà bu fekké né parce que wër gu yaram moy que vraiment sa xel dal na donc mais itam yaram bi aussi vraiment n'aimer quoi qui terrible jagadi ah mon lola mon avoir quoi coco mom je me dis vraiment avoir mon avoir madame une tawat ni t'as eu mon une tawat ni moi une hier février parce que amener tu février amener donc maladie chronique l'année de tout le même le diabète donc le même tension donc février au été donc qu'est coco yor man donc peut-être man en tant que médecin monna wakne monna le indiquer pour nga or mais day fek rek suivi bi ma am ci au moins ma am ci naka la ko meuna xé bénéfice bi nga xamé né dina meuna tax nga yow nga or ma gis né vraiment vraiment sa fièvre donc ak nima koy sayto donc peut-être bu féké né yow japp nga ci donc war nga meuna or ci naka vraiment recommandation yi ma lay jox yow en tant que malade nga mon ko top à la lettre pour que vraiment sa corps mona jaar yoon nga ñak ci gis donc vraiment ay li nga xamé né vraiment du doon sa ngénel voilà donc fofu lay waxé ci côté manam ñu fébar ñi donc il faut que malade bi respecte vraiment recommandation médecin traitant bi ku fébar ki yoré tension bi wala diabète wala yoré benen fébar donc fofu la mona naté né donc yow peut-être mon nga or sans problème nagn lek moins sucré moy que sucre si boum upp nagn lek moins sucré manam sucre si boum upp ki di infirmier chef de poste René Ndiaye bu taxum dana ko gëna yaatal ci njextal xibaar yi ndax moy nek sunu gan ci kanam tuti ñu dalal Mohamed Ndour Jamine ci xibaaru bitim rew bala ñu ex ci xibaaru bitim rew toll way mbass mi dafa melni koor gi daf ma xawa japp ba ci jéglu bu baaxa baax ci jooni ak ñetti témèr ak juroom ñen fuk ak ñaar yo xamanteni ni xol nañ seen wërgu yaram juroom ben fuk ak juroom dañu am fébar bi fanwéx yi dañu jaxaso nak ñom fanwéx ak juroom yi nak ken xamul fan lañ ko jëlé juroom fuk ak ben wër nañu amna ci juroom ñent nak yo xamne ñu nga réanimation manam digënté dundu ak dé amna ci kenn ku ñak bakanam bi mbass mi tabé ci rew mi ak légui nak fanwéx yi jooni ak juroom ñent ak juroom ñetti témèl ak juroom ñaar fukk ak juroom ñom ño am fébar bi amna ci fanwéri jooni ak juroom ñett ak juroom ñaar témèr ak fan ak fukk ak juroom ñent yo xamne wër nañu amna ci jooni ak juroom ñeen fukk ak juroom ñaar yo xamne faatu nañu amna ci témèr ak juroom fukk ak juroom ñett yu nga xamne ni ñu ngi leen di fajj mo xam seeni kër la wala ci bëreuf fajjukaay yi biñu tambalé nak ñak yi ak légui ñetti témèr jooni ak juroom ñeen fukk ak ñaar ak ñenti témèr ak fanwér ak juroom ñent ñom lañu ñak fi ci réew Sénégal ci kanam Mohamed Ndour Jamine ñu ngi lay nuyu Mohamed fay nañ la Issa Dior ciad rek lañuy dem fi nga xamanteni mom moy dekkou Idriss Déby Itno bam faato ba légui dekkam mi ci gouta dekkam mu ci gouta comme ni ngi ko waxe rek ñi defal lu mel nak moy way fup yi nga xamni ñu ngi bottu ci kurel gi di front pour l'alternance et la concorde ne ki fofu ci ciat ñom nak si waguñu won ba fi nga xamni nak mom lañu faat rek Idriss Déby ci ciongo ya nga xamni ñu ngi ko don amal fofu mom Idriss Déby am fanwéri at ci bop nguur ga fact di kurel bi nga xamni batay mom mo ëmb rek way fup yoy mu ngi bokku itam ci kurel gu mag nga xamni mo faré ci kujigi
ta da won laq du ji rek fa nga xamni nak moy Libi ki beut Sine Bou Libi ñu ngi juddu nak mom kurel gogu mu ngi juddu nak ci atum 2016 ak ginaaw ba nga xamni nak genn na ci kurel gu mag nga xamni itam mu ngi wuyo ci turu UFDD ñom itam mu ombon ay wey fipu te ki nga xamni mom moko jité won nek jeurin gi nga xamni mo yoron walum karangi gi fofu ca di wuyo ci turu general Mahamat Nouri mom momu nak mom mo jité won li nga xamni rek moy UFDD fakti itam daldi genn ci kurel gogum daldi weyel ci ay ligem ak ay ciongam mom momu nak ki nga xamni mom moko jité sax moy Mahamat Mahadi Ali nek ap réfugié politique manam ki nga xamni nak dafa dawone rek laqadu ji fofu ci France def fa sax ñaar fukki at ak jirom fofu sax la tambalé politikam deggu ci parti socialiste waye itam wel ay njangam di jang droit jang itam séance économique fofu ci Rennes way fi puy ñom noñu nak ci li nga xamné moy transition bi am fofu ki di kiko jité moy domou Idriss Déby bi di Mahamat Déby ñom way fi puy ñom nangu wuñ ko lank nañ ba tedd ci naaj ba né lolu du am ginaaw bi nga xamni nak mom Mahamat Déby dal nay bind ap charte rek outele ko ak li nga xamni moy seni constitution ba ngir rek don fa president waye itam don ki nga xamni moy commander l'armée fact moy kurel gi nga xamni batay mom moy eumbe way fipu yi tollu tak ci juni ak jiromi temeri nit ap laaj di sampu ndax ñom mën nañu dankan fu ba dal di jël li nga xamni rek moy nguur ga ci loxoy nga xamni ñom ñoko yor of jamono ji Issa Dior ñu la sant le gara Mohamed Dour Jamil Charles du nek ci guddigu bet setagul ci kanam tuti ñew ak yeen ci tagat yaram ben kay dor ak juromel journée coupe CAF jaraf am ndam ba qualifier ci quart de finale ginaaw bi mu daane fele ci stade la dior étoile bu sahel ci ben bal ci dara qualification bobu nak di goulette ndax fukat ak jurom ñaara ngi ni ñu nekkon ci ay jafé ñu japp ne nak lolu neexna lol ci xol ndax gannaaw gendarme mi nga xamne bu Dakar mo amone di bok ci ligue des champions africaines depuis 2004 depuis bobu nak mo amul ben équipe dal bo xamanteni dem na quart de finale kon ñuy ñaanal équipe jaraf bobu nga xamni ni sax ki nga xamne mokay coacher mbour la dekk di cheikh gay mu am ndam ba dem sax finale ba paré gagner final bobu le ndax amna solo ci lool nak ñu japp ne cheikh gay mom sax nga xamne mo len di tagat ñom mom ci wal bopam neena dal équipe am xalé yaru lañ té lepp lu mu len wax dañ koy def tax ci dolli itam dal mom amna yaakar bu baaxa baax ci liggéey bi nga xamne ñu ngi koy liggéey mom nak simple la neena dal nañ gëna gorgorlu ndax lu fas daw labali ko def ci baax ba legi ci walu football ñu wax ne Olympique de Marseille bëgg na jël ki nga xamne moy Mikhail Fay nek ci Jambar France football nak mo xamlé lu mel nonu lé ndax néna ñu Mikhail Fay nek na défenseur bu baax ma sha Allah fukkat ak juroom ben rek la am football na ci Coupe du Monde U17 ak ci CAN ba mom mom nak xalaat nañ né dal kon dina dem fofu ci OM bu Marseille ñukoy ñaanal mu dem ak jam ak salam ñu jël ko ndax Jambar bu sali bi la nek fa lañ ko doon tagaté ci kanam tuti kon ñu dara suñu gënu kër René Ndiaye lay wuyo nek infirmier chef de poste bu taxum laj ak tontu dox digentem ak Mohamed Dour Jamil nak bon lek ñi présenter ci temps bu ngeen di dox day bari nan bi sakat na lol donc lek bi aussi day faral di sakat mais savoir manger bien et équilibré mais surtout naturel c'est très important nan lañ wara lek bon comme nima ko waxe ci tubab bi rek nagn lek moins sucré moy que sucre si boum upp parce que ñam ñu lay présenter boy dog jus yek ñom boisson yek ñom ñoy lu ci bari dafa bari sucre donc mais si on sait se limiter buñ xamé né donc li waruñ ko jël à l'excès moi je pense bien que bo lekke rek donc bon na mëna ani jëriñ ci yow le fait de vraiment bëgg lek comme ndioben wala bëgg lek comme sarène donc lolu moy danger bi voilà mais vraiment nit ki mon na lek façon bi nga xamné vraiment tay du ko indi beni choona voilà façon bobu dal la meuna wax né nit ki war na ko meuna lekke bu dogué voilà. Mais surtout nak manger moins sucré voilà. Lek sucre si nga yemalé ko
donc diwlin bi lu nil nga yemalé ko mais itam xorom ci aussi nga yemalé ko té vraiment lek naturellement ah naturellement mais ñun nak lolu mo suñu jafé jafé donc manger naturel vraiment suñu défaut la fum tonni ah savoir aussi manger équilibré baña bañ ci dem de trop voilà parce que tout excès est nuisible hein excès bo gis rek lu ëpp rek tour comme niko olof ndjay waxe donc motax may wax yu mel en résumé dal donc nañ lek lu yenn donc lek aussi lek bi nga xamné vraiment vraiment dina du am conséquence quoi ci ñun donc lolu lu am solo man lolu am solo donc fofu buma ñëwaaté rek ci côté ñi yoré fièvre ñi rawati na ñu yoré diabète bi tay wala nga yoré tension donc man je me dis très bien que tay sa bo démé bo sa docteur né la oral donc ngénal li ci nek j'espère bien que mom xam nako man xam nako parce que tay bo jëlé ki nga xamné tay dafa yoré tension bo xolé toute la journée bu doon lek donc té li muy lek contrôler ko donc mon na yok tension borom diabète bi aussi la même chose kon nak corps bu fekké né vraiment docteur bi jugé né nécessaire que né sa corps donc bo topé régime bi donc wala bok boy hors du moins donc mon na la fankal lu bari comme tay mu may yok sa sucre wala mu may yok sa tension moi je pense bien corps bobu donc amna ndirign ci nit ki sank ñu ko doon wax ci français corps itam ak sport donc hors du sport aussi moi je me dis que lu bax la mais nak sport bo aussi bu mu doon comme bu fekke né oro parce que bo lekout nano bo bëggé ñëw def sport bi nga xamé né vraiment da lay yëngal do trop mën na la jural lenen quoi voilà mais hors du sport aussi donc il faut le faire à la limite bon parce que sport mom sport comme nima ko mëna définir mom donc ngeenalam ci yaram moy que da koy maintenir voilà parce que dina sa fonction vitale yépp vraiment dina le mettre en jeu pour que vraiment ñu dundat comme il se doit donc graisse bo xolé graisse yé ak ñom sucre yé lepp vraiment fekk né dafa amagasiné won ci sa yaram boy def sport di ñak donc yoy yépp war na mëna tass donc ngeenali sport bok na ci yu mel non donc dina vraiment fank yu bari ci fièvre yu war na jëm ci sa yaram da nga mayat immunité donc sa yaram donc bu taxna sport mom vraiment ngeenali yatuna lool quoi. Je ne suis pas médecin en matière d'espoir, mais je me dis que l'espoir lui-même, qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Donc, Defco, aïe. Mais à la limite. Kep ko ko man def ko ayul mais à la limite ku ci nek nak so ndogo ba pare mom lek lu sucré salé lu nin rax ci doli lek lu bari rawati na jola yi ma jakar lol ak kidi mohammed ndour jabil serer bi war nga nak sport ndax bo lekke ndogo bu nin doyu sa bir bam fess bax na nga dox ndax marche mom lañu gëna recommandé sax ci jamono koor gi nga dox bu baax au bout de 30 minutes manam fanwéré simili daw bi sax mën na ñak mais nga dox fanwéré minute yo xamna yu deugër la dina tax li nga lek res te bo teude di nga meuna nelaw bu baax ba xëd bu joté nga meuna xëd kon loolu itam bokku na ci ay consigne yo xamne dinañ ko joxé ci walu koor gi waye nak na nit ñi def dank ndax liñu wor lepp meunu ñu ko rattraper ci guddigi buñu ndogo ndax sénégalais mom ñun ñëpp buñu ndogo dañuy défé né liñu ñak lek ci journée bi yëpp dañ ko wara rattraper ci guddigi motax duñu bayyi dara ñoga ci cake ya ñoga ci croissant ya ñoga ci pain raisin ya ñoga ci bisab ba ñoga ci buy ba ñoga ci ni ni tout fait yu bax yi kon nak mo melni dal lolou lepp nak meun nañ ko wañi limiter ko te moytu saf safal yi ndax lolou itam bokul ci li nga xamne mo ñuy gëna jox wër gi yaram ñuy lek naturel bisab bo xamne ni nana ka selay am ak buy bo xamne day am rek jus de buy bo xamne ma sha Allah yoy yep dañuy mëna dimbali ci wër koor gi te lepp nak naturel la te suñu ciosan la kon nak nañ ci gëna jëfëndiko ak ndox mu bëre ma sha Allah ci jamonoy tangay bi lolou dinañu mëna dimbali ci walu koor gi kon ñi sant di gërëm ñëpp ñi nga xamne ñu ngi doon dëglu ci walu xibaar yi gërëm ki nga xamne ci mom moy mohammed ndour jamm ci togg gi gërëm di jëppako mi nga xamne xamna tay koor gi japp nako lool dina ñaanal kenn lu jamm diko sakku ci leen wax ba subam jamm ci carton suñu bokkum ci benen journal bu ñetti waxtu jotté fi ci Mbour FM TV assalamu alaykum.